Everything that's everything alive goes alive and seems. You know, the little tomato seeds you and Nancy find in your garden, how they grow into nice red tomatoes. Alors ce road trip qu'on a fait jusqu'en Suède, c'était pour chercher ce Barndoor tollé de début 51. Donc un modèle particulièrement rare parce qu'il a pas mal de détails spécifiques au conduit produit la première année. Principalement le fait qu'il n'y ait pas de lunettes arrière, c'est ça qui en fait un modèle qui est assez recherché. Donc quand on est arrivé sur place, on a vite eu la confirmation que le combi était dans un endroit vraiment inaccessible. On n'a pas pu garer notre véhicule à moins d'un kilomètre. Donc ensuite, pour atteindre le combi, il fallait emprunter un chemin forestier sur à peu près 500 mètres, traverser un petit bout de forêt assez dense, et là on arrivait dans un marécage dans lequel le combi était 300 ou 400 mètres plus loin. On arrive au pied du combi la première fois, on découvre un bus qui plonge en 30 cm d'eau, qui est pris dans 10 cm de glace parce qu'il a gelé les nuits précédentes. Ce qu'on commence par faire, c'est d'abord de casser toute la glace qu'il y a autour du bus. On finit de détacher les quelques morceaux de châssis qui restent accrochés à la carrosserie, ce qui nous permet de la tirer quelques mètres en arrière sur un endroit qui est beaucoup plus sec. Et en fait, on récupère les morceaux de châssis séparément après. C'est d'ailleurs une bonne surprise quand on les enlève de l'eau parce qu'on découvre des pièces en bon état et qu'on ne s'attendait même pas à avoir. Ce qu'il nous reste à faire après, c'est de préparer le levage des pièces. Donc, pour la carrosserie, on met en place des poutres en bois à travers les vitres, on met en place les élingues, les anneaux de levage. Alors, en fait, on peut dire que le plus gros effet à ce moment-là.
initialement, le pilote était censé poser le conduit directement sur la remorque. Et bah, malheureusement, il a pas pu. Donc il nous l'a mis à peu près 10-15 mètres à côté sur la plateforme. Ce qui nous a obligé à trouver une solution assez rapide pour le lever à peu près 1,50 m pour pouvoir glisser la remorque en dessous. Donc heureusement, on avait pris pas mal de matériel, ce qui nous a permis de construire une petite structure autour du combi et de le lever finalement assez rapidement. Donc à ce moment-là, en fait, on avait fini, le combi était sur la remorque et on était prêt à partir. I'm not.